Donc bonjour, bienvenue sur Scooter et Mécaboîte. Donc oui, j'ai un petit peu de noir un petit peu partout, je suis sur une voiture sans permis depuis 2 jours. Enfin bref, donc juste petite information, si vous commandez des pièces pour Châtenay CH26 sur le site internet pièces sans permis, faites très attention aux pièces que vous prenez. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais déjà fait une vidéo, j'avais déjà commencé à tourner une vidéo, je crois que je vais rajouter ça avec, juste après. En fait, on a commandé un triangle de direction côté passager, une rotule de suspension pour le côté passager aussi. Sur le début de la vidéo, je dis que l'air en track c'est bon et tout. C'est littéralement pas le cas. Il a fallu que je reperce, que j'élargisse les trous pour pouvoir mettre les vis d'origine, pour pouvoir que ça passe. Parce que le trou, c'est pas le triangle le problème, c'est bien la rotule, par contre, c'est pas le triangle. J'ai regardé avec la rotule d'origine de la voiture et ça y allait. Donc la rotule de suspension pour Châtenay CH26 sur le site pièces sans permis, c'est de la merde. On est obligé de modifier les trous de fixation du triangle et de la rotule pour pouvoir la monter. Parce qu'en fait, la boule qui est en dessous, qui contient justement la rotule, ne tombait pas dans le trou, tout simplement parce que l'anthrax n'est pas bon. Ils ont fait les trous trop vers la rotule. Ils auraient dû être faits plus loin et ça n'a pas été le cas. La rotule en fait est de très mauvaise qualité niveau finition. On a commandé des mâchoires de frein arrière pour Châtenay CH26. Je me suis basé au numéro de série de la voiture à cause du fait que j'ai pas regardé pour la rotule et ça se trouve ça pouvait être ça aussi le problème. Donc pour le moment pour la rotule je peux pas vous dire si c'est de la merde ou si c'est tout simplement pas la bonne rotule, mais c'était marqué Châtenay CH26 2011 pour moteur Yanmar. Voilà, CH26, je pense pas qu'ils aient changé 36 milliards de fois les rotules de direction. Mais ça peut quand même. Par contre, les mâchoires de frein, je me suis basé au numéro de série de la voiture. Pareil pour les roulements. Donc les roulements, par contre, pas de problème. Hein, ça y a été sans problème. Par contre, les mâchoires de frein, là j'ai les anciennes qui sont là. Ils n'étaient pas si morts que ça, mais vu qu'il n'y avait pas de frein à l'arrière, je pensais que c'était ça. Eh ben, il a fallu que je les lime. Donc je vous montre vite fait, ça c'est les anciennes. Les nouvelles, il a fallu que je les lime sur le bord là. La partie en ferraille, là vous voyez, sur celle-là, on est bien à ras. Bah, c'était pas le cas sur l'autre. L'autre, on avait de la ferraille qui dépassait des deux côtés. Donc il a fallu que je modifie les quatre plaquettes, les quatre mâchoires. De toute façon, vous voyez, bon, celles-là, elles n'étaient pas trop trop mortes, mais bon quand même. Donc faites attention quand vous commandez des pièces chez eux. Faites très attention. Les mâchoires de frein ont été vendues sans les ressorts et sans les axes de fixation, bon, ça éventuellement ok. Là, on a commandé un disque de frein arrière avant et j'ai normalement, quand on commande le disque de frein avant, en tout cas c'est le cas sur les autres sites internet, on a les vis pour le disque qui sont fournis. Là, j'ai pas les disques, donc du coup les quatre vis de disque, j'ai réussi à les enlever sans les niquer. Par contre, je suis obligé de les nettoyer. Les quatre vis, je suis obligé de les nettoyer pour pouvoir les visser. Bien entendu avec du frein filet, du Loctite 243, donc le bleu, le faible. C'est juste pour éviter que ça se desserre par sécurité. Mais je suis obligé de... Voilà. Pièce adaptable. Merci.